Et bonjour, on est déjà à notre deuxième jour et aujourd'hui on voit l'herbe amère. C'est parti. De son nom scientifique Solanum americanum, je vous mettrai ça ici. Elle fait partie de la famille des Solanacées. La famille des Solanacées, pour ceux qui le savent pas, c'est la tomate, le piment, le poivron, l'aubergine, toute cette grande famille-là. Donc elle fait partie de ça. Donc on peut penser, voilà, par logique, qu'elle fait partie, donc c'est un légume, voilà, qu'elle est comestible. On va voir ça plus en détail. Je vais vous montrer la plante et en même temps je vais vous dire l'origine et les autres noms qu'on lui donne. Alors, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça a des petits fruits verts qui tournent au noir après. Donc, faites pas attention parce que ma plante est un peu dépoilée. C'est à cause du carême. Voilà, donc vous voyez, ça a des petites feuilles et ça fait des petites boules. C'est surtout les boules, en fait, qui vous permettent de la reconnaître. Qui vont vous permettre de la reconnaître. Je ne sais plus parler français. Voilà, et les fruits tournent au noir. Alors, elle est d'origine d'Amérique centrale, ok ? Et du sud, donc c'est pour ça qu'on la retrouve sous nos latitudes aux Antilles. Et elle a plusieurs noms. Alors, pour les noms, Zebame, Zebame, Agouman, Agouman, Zebakalalou, Morel d'Amérique, Morel noir, Laman à graines noires, Zebakalalou. Enfin bref, vous avez compris le principe. Nous, ici en Martinique, on la retrouve plus souvent sous le nom de herbe amère. Donc, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on l'appelle herbe amère? Ben, c'est parce que, en fait, quand on fait des soupes ou alors des choses comme ça, il faut faire attention parce qu'il faut la rincer assez régulièrement. Il ne faut pas laisser l'eau de cuisson trop longtemps parce qu'en fait, l'eau est amère. Donc, elle a une très forte taux d'amertume. Oui, d'amertume dans ses feuilles. Voilà pourquoi un gros... Si vous la prenez comme ça, vous allez sentir. Elle est amère. Juste avant, de passer aux utilisations, à l'utilisation, les vertus médicinales, on va faire un peu le tour de comment elle est utilisée. Alors, elle peut être utilisée, en fait, majoritairement sous forme de calalou. Donc, on peut mettre les jeunes feuilles, surtout, dans des soupes ou dans des potages. Attention, par contre, les fruits, même s'ils sont mangés par les oiseaux, ça peut être toxique. Donc, ça a déjà provoqué la mort d'enfants. Okay, donc, on fait attention au niveau des fruits. Voilà, on n'y touche pas, on ne les mange pas. Ce n'est pas comestible, c'est toxique. La seule chose que vous pouvez prendre, là, en l'occurrence, ce sont les feuilles. Et on n'excède pas non plus les quantités. On ne fait pas de... Voilà, ce n'est pas un épinard. Hein. C'est pas parce que ça fait partie de la même famille de la tomate qu'on se lâche dessus. Parce qu'à forte dose, en fait, ça irrite, ça vous donne des diarrhées, ça peut vous donner des complications. Voilà. Donc, on fait attention avec cette plante. C'est des plantes rasées, mais c'est des plantes rasées qui peuvent être dangereuses. Mon Dieu, est-ce qu'elle a fermé sa bouche, hein? Alors, vous allez retrouver son utilisation tout le long de la Caraïbe, en fait. La majorité des îles ou même des pays, en fait, Amérique centrale ou des Antilles petites et grandes, utilisent cette plante d'une façon différente. Elle a différentes utilisations, en fait. À l'ancienne, les moines dominicains l'utilisaient sous forme de sédatif et narcotique, en fait, dedans. Donc, ils utilisaient ça pour leurs patients, pour les relaxer, les calmer, les endormir, je ne sais pas comment vous voulez dire, avant une opération, en fait. Alors, les feuilles, c'est souvent... Surtout les feuilles que vous allez retrouver qui sont utilisées. Donc, et surtout, en fait, les feuilles jaunes. On n'utilise pas forcément les feuilles vertes pour tout ce qui est médical. On utilise surtout les feuilles jaunes. Donc, les feuilles, elles sont utilisées que ça soit pour des problématiques fongiques. Cette poule me fatigue. Ou encore des mycoses. Donc, vous pouvez faire des bains de siège contre les mycoses vaginales ou bien même des mycoses, par exemple, au niveau des entre-doigts ou alors au niveau des pieds. Vous faites une infusion et ou alors vous utilisez ça, hein, sous forme de cataplasme, en fait, directement sur la mucose. Elle s'utilise aussi sur les blessures superficielles de la peau, comme les abcès, les brûlures, toutes ces choses-là, puisqu'elle est vraiment sympa pour, en fait, permettre à votre peau de se régénérer. Donc, un peu des principes anti-inflammatoires, cicatrisants, tout ça. Donc, c'est toujours pareil, c'est la feuille qu'on utilise. Alors, vous pouvez, parce qu'en général, on la retrouve aussi dans ce qu'on appelle les loques, donc au moment de la purge, un peu comme le balai-doux qu'on a vu hier, l'herbe amère, et voilà, elle fait son apparition pendant ces périodes-là. Elle est utilisée comme dépurative pour aussi permettre d'enlever les parasites, comme vermifuge, etc. Donc, ce sont les feuilles jaunes qu'on fait en espèce de bouillon, en fait, avec de l'eau chaude et qu'on boit comme ça. Ça permet aussi de traiter tout ce qui est rougeole, diarrhée, tous ces maux, ces inconforts, en fait, intestinaux, intestinal, ça agit en tout cas sur la sphère intestinale.
En plus d'être utilisée pendant, pour les loques, elle est aussi utilisée pour faire des bains rafraîchissants. Donc ça, c'est la première étape des purges. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles pour faire ce genre de bain. La plante entière macérée dans le rhum serait efficace. Bon, alors après ça, ça c'est encore une fois, c'est approuvé, mais voilà, c'est dans les écrits qu'on va trouver ça. Serait efficace contre les morsures de serpents. Donc si vous choisissez d'utiliser cette plante pour vous soigner, faites très attention, comme je vous l'ai dit. Essayez de prendre un plant en fait qui a de très jeunes feuilles. Donc c'est un jeune plant qui n'a pas forcément. Je regarde le plant en fait qui est. Ça c'est un plant qui a déjà souffert. Voilà. Il a déjà plusieurs graines noires, enfin des fruits noirs. Donc lui, par exemple, on ne va pas forcément l'utiliser pour faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit des potages ou alors des soupes ou bien même pour se soigner. Je vous répète qu'on utilise les feuilles jaunes, pas les feuilles vertes si vous voulez vous faire des infusions ou autres. Et encore une fois, faites attention, ne mangez pas les fruits. Voilà, pour ne pas avoir une intoxication et pour ne pas avoir une toxicité. Voilà, ne prenez pas de risques. Maintenant, dans le jardin. Dans le jardin, c'est une plante assez simple. Franchement, elle pousse un petit peu partout. C'est une, entre guillemets, une mauvaise herbe. Elle peut être très invasive parce que ben, les oiseaux, eux, mangent ces fruits-là et ils vont faire caca partout et ils lâchent ça partout et vous en retrouvez partout dans le champ. Nous, par exemple, on en a un petit peu partout. Et quand c'est la saison des pluies, ben, vu qu'il y a de l'eau et qu'elle est bien, la plante, c'est là où vous allez avoir de belles feuilles bien grasses et vous allez avoir une belle plante. Là, pendant le carême, c'est un peu... c'est la hesse. C'est la hesse, il faut parler français, c'est la hesse. Voilà. Donc c'est pas une plante qui est compliquée à avoir, vous pouvez la planter chez vous, vous pouvez faire une greffe puisque ça fait partie de la même famille que l'aubergine ou la tomate. Donc vous pouvez soit greffer, soit utiliser les graines, soit prendre un plant que vous avez trouvé dans le Zion et puis le ramener chez vous. Enfin voilà, ça n'a pas besoin de grand chose, ça pousse majoritairement un peu partout, il vous faut quand même un apport d'eau et un sol bien drainé, mais sinon franchement c'est une plante qui est facile, c'est facile à vivre et qu'on retrouve facilement, qui pousse facilement sous nos latitudes. Vous avez différentes variétés de cette plante, elle se décline en plusieurs solanum, vous avez Americanum, vous en avez plusieurs en fait, elle est souvent confondue avec l'aubergine sauvage ou même avec l'aubergine en fait, mais si on n'en est pas, comme je vous dis, c'est une herbe amère. Voilà, je m'arrête là, hein, parce que bon, sinon, laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé l'herbe amère. Laissez-moi savoir si vos grands-parents vous ont déjà donné l'herbe amère pour les purges. Comme d'habitude, cette vidéo, elle vous a été utile. Un petit pouce, un petit partage. Et puis, je vous mets la vidéo d'hier ici, au cas où si vous l'avez ratée. Et puis, on se retrouve déjà demain pour la troisième vidéo. À demain.